Là, c'est bon. Vous ne serez pas encore dans la zone de confinement, donc c'est bon. Ok. Vous pouvez y aller. Camier, hier matin, accès à la commune limité. La raison, une opération de déminage sur la plage, neutralisation d'un bloc de défense allemand de la Deuxième Guerre mondiale. 800 personnes confinées, 100 évacuées dès 6 heures et accueillies dans la salle des fêtes de la commune. Toutes les opérations sont pilotées depuis la mairie, transformée pour l'occasion en poste de commandement. Bah, tu me rappelles dès qu'ils sont prêts pour le compte à rebours ? Vous avez environ 80 personnes qui sont mobilisées sur le terrain pour mettre en place cette opération de déminage. Et les plongeurs démineurs de la Marine nationale sont en train de travailler sur la plage à marée basse, parce qu'il y a un fort coefficient de marée, pour neutraliser effectivement ce bloc de béton de défense qu'on appelle un pyromel. 3, 2, 1, mise à feu. Coup bien parti. Pour des raisons de sécurité, impossible d'assister à cette opération qui s'est déroulée avec succès. Alors dans un premier temps, on a procédé au désensouillage du bloc, donc le retirer du sable. Ensuite, on a fragmenté ce bloc à l'aide de petites charges explosives pour vérifier la présence ou non de munitions à l'intérieur du bloc. Et une fois qu'on a trouvé une mine anti-char allemande, type Tellermine, et donc on a procédé dans une troisième phase à la destruction de cette munition. Une opération rondement menée en 3 heures au grand soulagement du maire, qui pourra organiser dès ce week-end, en toute sérénité sur sa plage sécurisée, son premier Freeride Fest, sa fête de sport de glisse.